comme Manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses. À renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale, et détruire le sexe mâle, point. Il est maintenant possible de se reproduire sans l'aide des hommes. Ni même en fait des femmes. Et de ne produire que des femmes. Nous devons immédiatement commencer à le faire. Point. Le mâle est un accident biologique, deux points. Le gène mâle, Y, est un gène femelle, X, incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme incomplète, virgule. Un avortement ambulant, virgule. Avorté dès le stade du gène, point. Être mâle, c'est être déficient. Virgule, limité émotionnellement, point. La masculinité est une maladie due à la déficience. Et les... Le général Haig a donc confirmé que l'Union soviétique faisait un effort particulier en ce qui concernait son armement et sa défense. Cela confirme donc... Les hommes sont des handicapés émotionnels. Point. L'homme est complètement égocentrique, piégé à l'intérieur de lui-même, incapable de sympathiser ou de s'identifier avec d'autres. Virgule. Incapable d'amour, virgule. D'amitié, virgule. D'amour, virgule. D'amitié, virgule. D'affection ou de tendresse, point. Il est une unité solitaire, incapable de rapport avec quiconque. Point. Ces réactions sont entièrement viscérales. Point. Et non cérébrales. Point. Son intelligence n'est qu'un simple outil au service de ses impulsions et de ses besoins. Point virgule. Il est incapable de passion mentale, virgule, d'interaction mentale, point virgule. Il ne peut avoir de relation avec rien d'autre que ses propres sensations physiques, point. Il est un tas à demi-mort et sans réaction, virgule. Incapable de donner ou de recevoir le plaisir ou le bonheur, point. À l'ère nucléaire, l'équilibre ne signifie plus rien. Seule la détente politique, suivie d'un désarmement, se réalise. À demi-mort et sans réaction, incapable de donner ou recevoir le plaisir ou le bonheur. Point. Conséquemment, il est au mieux un ennuyeux, un amas inoffensif, puisque seuls peuvent être charmants ceux qui sont capables de s'absorber dans d'autres. Il est piégé dans une zone clair-obscur, à mi-chemin entre les humains et les singes, virgule. Et dans une situation bien pire que les singes, parce que, contrairement aux singes, il est capable d'une vaste gamme de sentiments négatifs. Deux points. La haine, la jalousie, le mépris, le dégoût, la culpabilité, la honte, le doute. Et de plus, il est conscient de ce qu'il est. Et de ce qu'il n'est pas. Point. Bien que complètement physique, l'homme n'est même pas utilisable comme étalon. Point. Même en admettant qu'il soit prolifique mécaniquement, ce que peu d'hommes sont, virgule, il est primo, incapable d'enlever le morceau avec zeste, avec luxure, virgule. Mais est au contraire dévoré de culpabilité, virgule. De honte, virgule. De terreur et d'insécurité. Sentiments qui sont enracinés dans la nature masculine. Et que l'éducation la plus éclairée ne peut qu'atténuer légèrement. Point. Secondo, la sensation physique à laquelle il atteint est presque inexistante. Point virgule. Et enfin, il n'a pas de sympathie avec ses partenaires. Virgule. est obsédé par ce qu'il est en train d'accomplir, une performance de première classe. Un bon boulot de plombier, point. Appeler un homme, un animal et le flatter. Point. Il est une machine, virgule, un vibrateur ambulant, point. On dit souvent que les hommes se servent des femmes. Point. S'en servent pourquoi? Point d'interrogation. S'en servent pourquoi? On dit souvent que les hommes se servent des femmes. Point. S'en servent pourquoi? Point d'interrogation. Sûrement pas pour le plaisir. Point. Rongé par la culpabilité, virgule, la honte, virgule, la peur et l'insécurité. Et obtenant, s'il a de la chance, une sensation physique à peine perceptible, virgule. L'homme est néanmoins obsédé par le désage, point. Il est prêt à traverser à la nage un fleuve de mort, virgule. À patauger jusqu'aux narines à travers un kilomètre de vomi. S'il pense que de l'autre côté, une chatte amicale l'attend. Point. Il baisera une femme qu'il méprise. Virgule. N'importe quel monstre édenté, et qui plus est, il payera pour le faire. Point. Soulager une tension physique n'est pas la réponse, virgule. Parce que la masturbation suffit à ça. Point. Pour satisfaire son ego non plus. Point. Cela n'explique pas le visage de cadavres et de bébés. Point. Complètement égocentrique, virgule. Incapable de relation, de sympathie ou d'identification. D'une sexualité vaste, virgule, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, c'est en tout cas ce que croit savoir ce matin l'hebdomadaire britannique Sunday Times. Ras-le-bol la guerre, plus de 20 000 femmes et enfants ont défilé hier à Belfast pour réclamer la paix en Irlande du Nord. C'est la plus importante manifestation pour la paix jamais organisée à Belfast. Femmes catholiques et protestantes ont marché côte à côte en demandant aux hommes de cesser leurs affrontements mortels. L'armée clandestine irlandaise, l'IRA, a été très embarrassée elle a tout de même qualifié de collaboratrice et d'opportuniste écœurante, je cite, les 20 000 manifestantes catholiques et protestantes qui ont défilé sans incident. Ce mouvement féminin a été déclenché par la mort de 3 enfants lors d'une fusillade entre soldats britanniques et clandestins de l'Iran. Au Liban, les violents bombardements continuent, les duels d'artillerie font des dégâts considérables et beaucoup de victimes, des mortiers de 120 mm et des canons de 135 et de 155 mm ont été utilisés par les 2 camps. En Afrique du Sud, les manifestations reprendront avec violence lundi dans les cités africaines. Complètement égocentrique, incapable de relations, de sympathie ou d'identification, il est rempli d'une sexualité vaste, infectieuse et diffuse. L'homme est psychiquement passif. Point. Il a de la haine pour sa passivité, virgule. Alors il la projette sur les femmes. Point. Il définit l'homme comme actif, virgule, puis s'emploie à prouver qu'il l'est, virgule, à prouver qu'il est un homme, entre guillemets, point. Son principal moyen de le prouver est le dosage. Ouvre la parenthèse, grand homme avec grande bite arrache le gros morceau, ferme la parenthèse. De se compléter, de devenir une femme. Il tente cela en pourchassant constamment, en fraternisant avec, en essayant de vivre à travers, en fusionnant avec la femme et en proclamant mâle toutes les caractéristiques féminines, la force émotionnelle et l'indépendance, la puissance, le dynamisme, l'esprit de décision, la détente, l'objectivité, l'assurance, le courage, l'intégrité, la vitalité, l'intensité, la profondeur de caractère, tout ce qui est chouette. Et en projetant sur les femmes tous les traits masculins, la vanité, la frivolité, la médiocrité, le baisage, la faiblesse. Il faut dire pourtant qu'il est un domaine où l'homme possède sur les femmes une supériorité éclatante, celui des relations publiques. Il a réussi un brillant tour de force en convainquant des millions de femmes que les hommes sont des femmes et que les femmes sont des hommes. La proclamation mâle que les femmes sont comblées à travers la maternité et la sexualité reflète ce que les hommes pensent qu'ils trouveraient épanouissant s'ils étaient des femmes. Les femmes, autrement dit, n'ont pas l'envie du pénis, l'homme a l'envie du pont. L'homme, à cause de son obsession à compenser le fait qu'il n'est pas une femme et dans son incapacité d'avoir une relation ou de ressentir de la compassion, a fait du monde une montagne de merde. Il est responsable de la guerre. La méthode normale de compensation du fait qu'il n'est pas une femme, savoir la méthode qui consiste à tirer un grand coup, est carrément inadéquate, parce qu'il ne peut le tirer qu'un nombre très limité de fois. Alors, il le tire à une échelle vraiment massive et prouve au monde entier qu'il est un homme, entre guillemets. Comme il n'a pas de compassion, ni de capacité de sympathiser ou de s'identifier, prouver sa masculinité vaut un nombre incalculable de vies, y compris la sienne propre. Sa propre vie ne valant rien, il préfère disparaître dans une explosion de gloire plutôt que de traîner sinistrement ses jours d'une cinquantaine d'années de plus. Il est responsable de l'argent, du mariage et de la prostitution, du travail et de la non-automation de la société. Il n'y a pas de raison humaine à l'argent et au fait que quiconque travaille. Tout le boulot non créatif, c'est-à-dire la presque totalité des boulots actuels, pourrait être automatisé. Et dans une société où l'argent n'existe pas, quiconque peut avoir autant qu'elle le veut de tout ce qu'il y a de mieux. Mais il y a des raisons non humaines, des raisons mâles au maintien du système argent-travail. Petit a, le con. Se méprisant lui-même dans une inefficacité totale, envahi par une anxiété intense et une profonde, insondable solitude lorsqu'il se trouve tout seul dans son propre vide, s'acharnant à s'attacher à une femme dans un vague espoir de se compléter lui-même selon la croyance mystique qu'en touchant de l'or, il deviendra de l'or, l'homme implore le compagnonnage continuel des femmes. La compagnie de la femme la plus basse est préférable à sa propre compagnie ou à celle d'autres hommes qui ne servent qu'à lui rappeler à quel point il se trouve repoussant. Pour les femmes, à moins d'être très jeunes ou très malades, il faut les forcer ou les acheter pour qu'elles entrent dans la compagnie des mâles. Petit b, de la raison inhumaine du système travail-argent. Donner à l'homme, incapable de relation, l'illusion de l'utilité et lui permettre de tenter de justifier son existence en creusant des trous et en les bouchant. Le temps de loisir horrifie l'homme, qui n'a rien d'autre à faire qu'à contempler son moi grotesque. Incapable de relation ou d'amour, il faut que l'homme travaille. Il faut que l'homme travaille. Les femmes aspirent à des activités absorbantes, émotionnellement satisfaisantes, sensées, mais n'en ayant pas l'occasion ni le pouvoir, elles préfèrent perdre leur temps selon leur choix, en dormant, en jouant, en rêvassant, en traînant sur la plage, en faisant des visites, en voyageant, en écoutant de la musique, en cousant, en se faisant analyser, en décorant leur maison, etc. Donc, beaucoup de femmes préféreraient, même en supposant une égalité économique totale entre les sexes, vivre avec les hommes ou vendre leur cul dans la rue, de façon à garder le plus de leur temps pour elles-mêmes, plutôt que de passer beaucoup d'heures de leur journée à faire un travail abrutissant, non créatif pour quelqu'un d'autre, plutôt que de fonctionner comme moins que des animaux, comme des machines, ou au mieux, plutôt que, dans le cas d'un bon boulot, de co-diriger un tas de merde. Ce qui libérera les femmes donc du contrôle des hommes, c'est la totale élimination d'un système travail-argent et non d'obtenir l'égalité sur le plan économique à l'intérieur de ce système. Or, 30 personnes d'un même village ont été assassinées près de Buenos Aires par des extrémistes de droite. 6 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires, rien n'est réglé, bien au contraire. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial en Argentine, Régis Popol. Les apparences sont trompeuses, la façade est impressionnante. À Buenos Aires, ville moderne et tentaculaire, on pourrait se croire dans quelques villes européennes ou encore nord-américaines. Mais l'image de l'enfant qui joue avec les pigeons sur la plaza de Mayo ne doit pas masquer notre réalité de la vie argentine, la violence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'après-péronisme n'est pas une réussite, puisque, paradoxe suprême, beaucoup de ceux qui se déchirent aujourd'hui se réclament justement de Perón. À Buenos Aires, à Córdoba, ailleurs encore, c'est toujours le même scénario, à la levée du jour, à la tombée de la nuit, à l'improviste en tout cas. Les forces dites de sécurité coupent de la ville, c'est l'heure de la terrifiante chasse à l'homme. Là-bas, le gibier est de gauche, car officiellement, le terrorisme n'est que de gauche. C'est une immense injustice, bien sûr. Soldats et policiers sont très efficaces lorsqu'il s'agit d'abattre Montoneros, membres de l'armée du peuple, et ne s'estiment nullement concernés par les exactions des terroristes d'extrême. Avec Bruno Major, maintenant d'autres informations importantes. Tout d'abord, au niveau spatial, la fusée de retour de la station soviétique Luna 24 a atterri sans équipe ce matin en URSS. La fusée rapporte des échantillons du sol lunaire. De leur côté, les Américains ont annoncé que la sonde Viking 2 reposerait sur Mars dans la nuit du 3 au 4 septembre. Viking 2 se posera à 6 000 km environ de la première sonde dans une région où les scientifiques espèrent découvrir davantage de traces de vie. Vous allez voir maintenant des images irlandaises plus banales. Un défilé réunissant côte à côte et dans le calme, protestants et catholiques, 20 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé plusieurs quartiers de Belfast pour demander le cesse des furies quasi quotidiennes en Irlande. Jugement du dur de l'IRA, ce mouvement des femmes pour la paix ne rassemble que des collaboratrices écœurantes. Au Liban, pas de défilés dans les rues, les combats se pratiquent acharnés, tous tués, 70 blessés dans la journée d'hier à Perón, tous signés, donc parcourus. Belfast.